Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de glitch d'RP sur cette chaîne. Les amis, j'en ai jamais fait, c'est la première. Les prérequis, tout simplement, il faudra avoir l'agence, avoir fait également les contrats de Franklin, donc dans les contrats de sécurité via l'ordinateur. Vous vous inscrivez en tant que PDG, vous faites quelques contrats, donc 3 voire 5 minimum, même 6 à la limite. Et quand il va vous rappeler, vous dire que les contrats sont téléphones sont disponibles, ce sera marqué en haut à gauche, vous pourrez tout simplement l'appeler. Si jamais le message est grisé quand vous appelez Franklin et que vous ne pouvez pas téléphoner via les contrats de téléphone, c'est qu'il faut en faire encore 2, 3, 4. Et au bout d'un moment, il va vous rappeler vous disant que les contrats sont disponibles. Donc là, on appelle Franklin, il faudra un centre d'opération mobile également. Voilà, donc on appelle demander contrat téléphonique. Et là on fait flèche de droite, la mission s'appelle Popstar, donc faudra la choper. Si jamais vous la chopez pas, vous faites trouver une nouvelle session. Yo, donc là c'est bon, regardez, yo, je te donnerai bien le nom de la cible, etc. Donc là, le Popstar, on l'a directement, donc ce que vous faites, on fait le pavé tactile, centre d'opération mobile. Et là, ce qu'on va faire, on va chercher le centre d'opération mobile directement. Donc on attend qu'il spawn, on fait start, pourquoi? Pour pas qu'il nous parle. Et pour gagner du temps, donc là on va chercher le centre d'opération mobile, on met un point directement. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 15 minutes de délai, il y a 15 minutes dans la mission. Et vous allez voir qu'au bout des 15 minutes, et ben tout simplement, ce sera terminé. Donc faut faire assez rapidement, faudra bloquer un mec. Donc la cible, faudra la bloquer tout simplement. Et une fois que vous l'avez bloqué, et ben vous devez lui mettre la roue de centre sur lui sans le tuer. Donc là on monte dedans, on fait longtemps flèche de droite pour décrocher la remorque. Et là on va vers la cible. Donc la cible étant juste ici, on va quand même mettre un point parce qu'on sait jamais. Voilà. Donc c'est parti. Donc là on va le suivre. Et en fait on va devoir le bloquer. Donc c'est assez compliqué en soi, mais si vous êtes assez malin, en quelques minutes, même en 2 minutes, faut être assez rapide parce que vous avez gagné en fait un niveau toutes les secondes, les amis. Ce n'est pas une blague, c'est pas un prank, vous allez voir par vous-même. Donc là, la cible, c'est une voiture comme ceci. Alors là, on est mal choisi pour le bloquer, mais on peut le bloquer quand même. Donc regardez, le but, ça va être de le prendre comme ceci. Donc déjà, il va falloir le bloquer. Donc c'est assez compliqué, bloquer contre un mur ou contre quelque chose. Il va falloir le bloquer. Donc là, il prend de la vitesse parce qu'il a eu peur. Fouillez la zone, ça vous faites pas, vous en foutez. Putain, les civils ils savent pas conduire. Donc là il roule assez vite, le problème c'est ça. C'est qu'il ne roule trop vite. Donc là ça va être compliqué de le bloquer. Ah là ça peut être bien. Voilà. Donc là on l'a raté. Faut le bloquer. Non! Donc là il se barre, je vais prendre plein de temps pour le bloquer. Hein. Les amis, je suis désolé. C'est assez galère, en plus là où on est c'est pas facile. Plus ça va, plus il est énervé. Donc là il va falloir bloquer contre un mur, contre un arbre, contre quelque chose. Donc là c'est bien. Qu'est-ce qu'il fait? Bah les gars, on perd là le temps là. Bon, on continue. Je vous accélère au pire la partie où c'est galère à le bloquer. Et on se retrouve directement dès que je l'ai bloqué. Voilà, là c'est bon. Une fois qu'il est comme ça, vous allez monter dans son véhicule. Donc attendez. Attendez. S'il galère, alors attendez 2 secondes.
Voilà. Faut pas qu'il recule complètement, mais en gros, voilà. Donc là, vous le sortez. Une fois que vous l'avez sorti, vous prenez votre centre d'OP. Faites attention à pas le tuer, du coup, parce que là, il va essayer de vous tirer dessus. Donc, il faut le bloquer, lui donner un coup comme ceci. Et là, vous lui montez dessus comme ceci. Et là, vous allez monter. Alors, attendez, parce qu'il y a des gens qui me tirent dessus. Et du coup, je vois rien. Ok, donc là, vous voyez bien, je monte mes levels. Pourquoi il me tire dessus? Ok. Ok, il en reste un. Voilà, terminé. Donc, voilà. Pourquoi il voulait m'attaquer, je sais pas. Donc là... Vous êtes en train de monter vos levels par seconde. Et moi je vous laisse avec ça. C'était Waves Arcane. Et on se retrouve directement à la fin. Donc là, les amis, alors pourquoi je monte pas au level 500 ou plus? Parce que j'ai pas envie, ça prend du temps, c'est vrai que c'est assez long. Mais regardez, je monte des niveaux vraiment super facilement, les amis, c'est un glitch d'RP. Donc regardez la roue avant, comment elle est posée. Il faut qu'en fait que le mec soit en bas, soit bloqué sous la roue, mais que vous le tuez pas. J'ai galéré, donc je vous ai accéléré toutes les parties où j'avais galéré. Et là, on se retrouve directement, bah, vous voyez, hein, bien évidemment. C'est assez long, donc voilà. Mais vous allez monter des niveaux tranquillement. Profitez-en avant que ce soit patché, les amis. Je vous invite à partager un maximum, liker au maximum, les amis. Et moi, je vous dis à la prochaine. Avant cela, quand vous avez fini, parce que le level 443, vous faites start en ligne et vous allez en éditeur. Très important, les amis, sinon ça sauvegardera pas. Si, voilà. Donc, en éditeur, vous voyez, on a un petit rond de sauvegarde jaune en bas à droite. Une fois que vous êtes en éditeur, vous allez tout simplement lancer une session sur invitation. Donc, en ligne, ou ami, hein, avec vos amis, vous lancez une session avec vos amis. Là, on se retrouve dans la session directement. Une fois respawn dans la session, les amis, regarde, on va faire flèche de bas. Et là, on peut voir que je suis level 445, les amis. Pareil pour le crew, les amis, ça monte aussi le level du crew. Il me semble que j'étais level 394, c'est juste énorme. Donc, si vous voulez faire ce glitch, réaliser ce glitch, les amis, profitez-en avant qu'il soit patché. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Darten et ciao tout le monde.